Et salut à tous, c'est Rookster, on se retrouve pour une vidéo gameplay Dead by Daylight Killer avec cette fois-ci l'artiste et un build de repérage, je vous explique. On va partir sur les crochets flagellateurs, flot d'orage, compétence de l'Onryo, qui fait que vous aurez en début de partie 4 crochets aléatoirement placés sur la carte. Vous verrez bien évidemment l'aura en blanc. Quand un survivant est libéré d'un de ses crochets flagellateurs, l'aura de tous les survivants sur la carte vous est révélée pendant 7 secondes. Vous prendrez Chili Barbecue, la compétence du cannibale, donc de Leatherface, qui fait que lorsque vous allez pendre un survivant à un crochet, les auras de tous les autres survivants vous sont révélées pendant 4 secondes s'ils sont à plus de 40 mètres de ce crochet. Vous prendrez le poursuivant meurtrier, compétence du Némésis, qui fait qu'au début de la partie, vous verrez l'aura de tous les survivants pendant 9 secondes, et que chaque fois que l'aura d'un survivant est révélée donc pendant une certaine durée, cette durée est augmentée de 2 secondes. Donc pour le chili et barbecue, ça passera à 6 secondes. Pour les crochets flagellateurs, ça passera à 9. Enfin, si vous voulez vraiment donc continuer sur le build d'Aura, moi je vous propose Je vous écoute, donc la compétence de Ghostface, qui fait que vous allez débloquer le potentiel de repérage donc d'aura d'une personne, et lorsque celle-ci va faire une action précipitée à moins de 48 mètres donc de votre position, sa présence eh bien, vous est révélée pendant 6 secondes. Donc ça passe à 8 secondes avec le poursuivant meurtrier, cet effet donc ne peut être déclenché qu'une fois toutes les 40 secondes. Vous prendrez en add-on le chagrin d'amour, qui fait que les corbeaux donc, qui encerclent un survivant lui infligent l'effet de statut épuisement. Donc admettons vous surprenez un survivant sur un générateur, il ne pourra pas donc fuir avec Sprint Burst, il ne pourra pas utiliser Souple par exemple, ou même des dardes. Et vous allez prendre la clochette d'argent qui va faire que lorsque les corbeaux encerclent un survivant, eh bien ils vont lui infliger l'effet de statut inconscient, donc il n'entendra pas votre rayon de terreur. Et vous pourrez donc avoir un effet sneaky dans les loops. L'idée dans ce build est de toujours avoir donc un visuel donc sur les survivants sur la carte afin de maximiser le gameplay donc avec vos corbeaux. Si jamais vous ne voulez pas utiliser Je vous écoute, vous pouvez aussi utiliser le dispositif de l'homme mort qui fait que lorsque vous allez suspendre donc un survivant à un crochet, eh bien pendant 30 secondes cet effet va s'appliquer et grâce du coup avec l'effet donc de vision, vous pourrez utiliser votre M2 avec les corbeaux, ce qui fait que les survivants lâcheront les générateurs et vous aurez donc gagné un effet de ralentissement sur votre partie. Je vous laisse découvrir donc ce gameplay à base d'aura, ça se passe sur la casse d'Azarov. Si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas. La petite cloche, le petit pouce, du lundi au samedi 18h à 23h sur Twitch. Bonne chasse à tous. Myers, tu vois, c'est une paire qui peut être très bonne, mais elle est extrêmement situationnelle. Après, écho sanguin peut être une très bonne perque pour le coup, en fonction des tueurs. Et tactique de Zanshin, par contre, c'est de la merde, ça sert à rien. C'est parfaite occasion du coup des survs et ça sert à rien. Okay, nice, on en a deux. Ça sert vraiment à rien pour le coup tactique de Zanshin. Dommage, hein. L'idée en soi est très intéressante, mais. Mais pour le coup, ah putain, dommage. Il y avait deux. Ouais, je savais bien que je l'avais vu. Néa. Ok, on fake. Ah bah non, elle a pas pris la fake, genre elle s'en fout. Littéralement. Faire ça. Nice. Ça, Lunéa. Palette ou quoi? Non, il n'y a pas de palette. Ah, si. Ouais, bon. Quoi? Ok, nice. Genre, ça touche pas, tu vas me dire. Mais ça va, je suis pas un bébou. Je sais pas. On a vu une autre. Voilà. C'est des bons joueurs, hein. Non. Pas mauvaise hein, pour le coup Nice. C'est pas forcément des mauvais joueurs par contre je sais qu'il y a quelqu'un, je l'ai vu. Je pense qu'il y a quelqu'un. En vrai, je prends le risque mais je pense qu'il y a quelqu'un, j'en étais sûr. Razu, repose-toi bien, sérieux. Repose-toi bien, tu prends bien soin de toi et puis bah, tu reviens quand t'es en forme. Je te souhaite un excellent une excellente soirée, deuxième gen. Quoi? Ok, j'aurais pu mettre le coup là, mais j'ai pas voulu. J'ai pas voulu lui mettre le coup, parce que je pensais que ça allait hit, mais non. Par contre, c'est quoi cette fac Sérieux? Voilà, touché.
Ah merde, je croyais qu'il allait faire ça, bien joué à lui. Nice. Ça met trop de temps à recharger les oiseaux de... Ça met trop de temps à recharger les oiseaux de Carmina. Trop de temps. Tu vois le temps que je perds? Je perds beaucoup trop de temps. Ouais. Après ça répare bien. Hein? Ok. Ça répare. Ouais, ça répare. Ça, en plus ça répare plutôt bien. Et la game encore là. T'as beau essayer de brain. En vrai. Ah trop de brain, faut pas en vrai. Pour le coup. Malheureusement. On va tunnel la Néa. Y'a mon loulou. Elle va revenir en arrière. Oh là là. En plus je me tape des maps qui sont assez, assez fortes pour le coup là. Ok, flash save. Non. Je me tape là. Enfin, pour l'artiste en l'occurrence c'est une bonne map, mais ils sont pas mauvais les mecs, hein. Vraiment. Ils sont vraiment pas mauvais. Ils travaillent tous sur un gène à la fois, ils ont vraiment pas le temps. Hein. Ce genre de mecs, ils ont vraiment pas le temps, c'est incroyable. C'est. Ça c'est ouf. GG à eux, hein, mais GG. Nice. On a du coup on va blesser le Dwight et elle on va la tunnel. Donc là elle a épuisement, elle pourra pas utiliser donc normalement de Boro et on la tunnel. Tout simplement. Voilà. Oh mais hey, mais ce que je me prends ce soir c'est incroyable. C'est incroyable ce que je me prends ce soir. Je me prends des dingueries, c'est... Je sais pas ce que j'aime, mais... Je me prends des 3-6, c'est... Là, il m'a détruit le Dwight. Franchement, c'était super bien joué. Ok, il va être là. On va essayer de faire un truc comme ça pour voir. Ah, ils sont deux. Ça touche pas. C'est que quand tu joues l'artiste, tu peux tellement bien. Après, je pense qu'il y avait aussi là. Voilà, j'en étais sûr. J'avais vu. Nice. Ok. Dit à Car. C'est parfait. Donc là, on va pouvoir leur mettre de la pression. Puisque ils vont être là, les deux. En sachant que j'ai vu le Dwight ici. Il y a le Dwight hein, qui est là. Ok, il est là, le Dwight. La drop. Ok, on va péter instantanément. Voilà, nickel. Parfait. Ça dérange pas, il n'y a pas de palette ici. Non, ça fonctionnera pas. Tu le fais pas encore, mais ça va venir. Ça va venir, Miel, ça va venir. C'est parfait. Salut Stick, ça va super bien et toi, comment tu vas?
Et on est là, on est pas mal. Et on a vu du coup la Kate. Fait. T'as passé une bonne journée ou quoi? Ça y est, t'es en week-end là ou Ok, on sait qu'il est là, l'autre là-bas. Parfait. On zone bien. On zone bien là. Ok, on l'a vu. Elle est là. 4 heures de DBD, c'est agavé? Pourquoi? Il s'est passé quoi? Ok. On va aller du coup. Donc là c'est pareil hein, on va mettre le voilà, il est en épuisement, il aura pas de bourreau. À part s'il arrive à les enlever. Voilà, épuisement, t'es mort. Ok, il est mort. Là ça c'est chiant quand ça t'arrive hein. D'avoir des ok, nice, parfait ça. D'avoir des moi je déteste les game farm, tu vois. Je déteste les game farm. Ça me gave. On fait jamais perso. Elle est là. Donc une après-midi bien nulle. Ouais bah ouais, tu m'étonnes ouais. Tu m'étonnes que c'était une après-midi bien nulle. Ok, parfait. Je vous écoute donc de Ghostface. Parfait. On allonge bien, on slug. Il est pas là. Donc à mon avis, lui, il est là-bas. J'étais sûr. Ok, il va sortir et elle, elle est morte. C'est relou les game farm. Allez, GG. Impeccable, belle game artiste ça. Ça c'était une belle game artiste. Et moi c'est pareil mon petit... Hey, bah c'est comme ça.